Well, hello, people. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais encore parler de la veste en jean. Avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous affiche juste là. Force avec ça, mais la veste en jean, c'est une veste qui est tellement... Tu peux la porter dans tellement de situations. En fait, je pense que je vais devoir vous faire un remake pratiquement tous les ans d'idées de tenue avec la veste en jean, parce que franchement, on peut la porter dans plein de situations, avec plein de styles, avec plein de vêtements. Du coup, en plus, comme on est en plein dans la saison de l'automne, je trouve que cette vidéo tombe à pic. Bon, plus besoin de vous refaire une intro sur la veste en jean, ça va faire la troisième que je tourne. Donc maintenant, on va directement passer aux tenues. Je pense que c'est ça que vous attendez, de toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc on commence avec une tenue vraiment très très simple. Un hoodie noir, un jogger noir, deux chaussures blanches, et un suit oversize qui dépasse blanc. Un t-shirt oversize, pardon. Tu rajoutes la petite veste en jean qui est oversize. Là, ça complète la tenue. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, pour moi, une tenue est toujours mieux avec une veste. Sauf que là, le fait que la veste en jean soit oversize, ça rajoute un côté un peu plus street. Et c'est complètement mon style. C'est l'unique touche de couleur vu que le reste de la tenue est noir et blanc. Et je trouve que c'est très beau. Là, je vous fais encore une tenue full rappel avec un hoodie blanc, des baskets montantes blanches, un bas camouflage. Casquette camouflage aussi. Et pour pas que la veste en jean décale trop, on prend une veste en jean qui est blanche, donc qui va très bien avec le hoodie normal. Et c'est donc une autre tenue avec une veste en jean et un sweat à capuche. Comme la première en fait. Après, évidemment, un grand classique, c'est ce que je suis en train de porter en ce moment. Donc c'est une veste en jean avec un t-shirt. Pour ajouter le petit côté original, c'est quelque chose que j'ai vu quand je prenais le métro. Le métro, c'est grave ma plus grande source d'inspi en vrai. Je retrousse les manches. Je trouve que ça fait un petit côté stylé. Le truc important quand on retrousse les manches de veste, enfin peu importe quand on a les manches, on retrousse ça en général, je trouve que c'est d'habiller les poignets. Sinon, je trouve que ça fait deux baguettes au niveau des bras. Surtout, vous avez des avant-bras comme ça, comme moi, c'est presque obligatoire d'avoir des accessoires au niveau des poignets. Après, libre à vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est une tenue très très simple qui peut se porter autant en automne maintenant qu'au printemps plus tard. Cette autre tenue, je la kiffe, même si, comme vous devez le savoir maintenant, je souffre là en portant cette tenue là. Je vous montre la tenue, je souris et tout, mais je souffre en la portant parce que ce truc là, la marinière, elle est archi lourde. Bon, je vais pas me plaindre de ça encore, mais bon. Nah. Donc une veste en jean noir, une marinière, un jean bleu et des Chelsea noirs. Donc tout en rappel de couleur. Donc toute cette tenue est un rappel de couleur. La seule touche qui n'est pas la couleur, c'est le jean bleu. Donc voilà une tenue très très simple, mais donc la veste en jean marche très bien avec un pull aussi. Je vous avais montré dans une de mes vidéos où j'achetais des vêtements que j'aimais pas. Je vous avais montré cette veste en jean que j'ai trouvée donc sur Asos avec un col fourrure noir. J'aime beaucoup, je trouve que ça change un peu du col fourrure couleur blanc. Et donc là j'ai fait une tenue full rappel de couleur, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai pris un t-shirt gris clair, donc plus clair que la veste. Le jean il est de la même couleur que la veste, pas prise de tête, les chaussures elles sont de la même couleur que le col. Nickel, ça passe très bien. Ça c'est vraiment une tenue niveau association des couleurs, tu peux faire aucune erreur parce que toutes la même couleur, gris et noir. Après encore dans une autre tenue, tu peux mettre ça, tu mets un jean noir, des Chelsea noirs. Je trouve que l'automne c'est aussi la saison où tu peux le plus mettre cette association, c'est-à-dire un ensemble sombre avec une couleur qui pète à l'intérieur. Le plus sombre moi c'est le t-shirt. Après ça peut être les chaussures, ça peut être le pantalon si tu veux aussi. Moi je préfère mettre un ensemble tout noir parce que quand il flotte c'est chiant d'avoir une pièce de couleur qui devient toute tachée, toute moche quoi. Donc je préfère mettre la couche intérieure que tu peux occasionnellement couvrir, enfin tu as compris. Vous pouvez aussi mettre la veste en jean avec une chemise. Donc là encore une fois c'est une tenue full rappel. Donc la casquette bordeaux qui est juste là, des chaussures bordeaux pour faire le rappel, une chemise à carreaux noir et blanche, une veste en jean noir très simple et un bas noir. Pour moi les rappels de couleurs c'est vraiment la solution que tu prends quand t'as pas envie de te prendre la tête, quand t'as envie d'avoir un style simple mais bien. C'est comme ça que je définirais mon style en fait. Moi je me trouve simple mais j'aime bien mon style. Heureusement. Donc voilà, évidemment il y a aussi moyen de porter une veste en jean avec donc une chemise. Et tu peux aussi porter une veste en jean avec un col roulé. Donc là encore une fois c'est des couleurs très très simples, du noir, du gris, du blanc. Il va falloir que je m'achète d'autres cols roulés parce que d'une, ces deux cols roulés que j'ai, là, le gris foncé et le gris clair, ils sont trop fins et en plus ils commencent à se déchirer, c'était vraiment de la qualité pourrie que j'ai acheté. Là ça va plus du tout, il faut que je m'achète des nouveaux parce que là ils sont tout pourris, ils sont... c'est de la dope que j'ai acheté, de la vraie dope. Et enfin pour les trois dernières tenues, donc j'aurai toujours la même base, c'est-à-dire une veste en jean bleu, un t-shirt blanc, un jean noir et des Chelsea beige. J'ai trouvé trois associations de tenues avec cette tenue. Donc tu peux la mettre en dessous d'un caban, en dessous d'une veste en cuir ou en dessous d'un par-dessus. C'est trois tenues que je trouve top en automne et éventuellement en hiver s'il fait pas trop froid. C'est trois tenues qui sont pas forcément très colorées mais je trouve que ça fait des layering magnifiques. Après vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour trouver d'autres vestes sous laquelle vous pourrez mettre cette tenue de base. J'aime beaucoup le rendu. Trois layering très très simple mais qui fonctionne très bien. Et c'était les dernières tenues en fait. Voilà les gens, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et vous a plu, lâcher un petit like. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss.